Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du début en prenant la fin comme point de départ. Attention Matt, à toi. Tu pourrais jouer mais d'abord tu dois dire je suis Raphaël Charrier, pasteur agronome. Non mais attends mec, j'étais en train de me planquer pour survivre. Donc alors là je suis caché, de ma cachette je te dis je suis pasteur à Grenoble. Et je suis pasteur à YouTube. Alors qu'il y a les deux blogueurs sur le site toutpoursavoir.com. Génial, et tu peux rester planqué parce que ça craint. Mais j'ai l'impression plutôt que toi tu galérais, tu faisais un footing et que t'étais pas bien, tu vois. En fait j'étais en train de sauter des obstacles, d'éviter des pièges à loups et de construire une voiture en bois pour m'enfuir loin. Mais quelle belle manière d'introduire le sujet d'aujourd'hui. Mais oui, de quoi va-t-on parler, Mathieu ? Aujourd'hui, nous parlons, comme on l'a dit la semaine dernière, du survivalisme. Ok, survivalisme. Alors, explique-nous, c'est quoi le survivalisme ? Pourquoi tu avais envie de parler de ça ? Écoute, j'avais envie de parler de ça parce que c'est un sujet sur lequel... Je suis retombé récemment, figure-toi, en faisant des recherches pour mon prochain sac à dos. D'accord. Je croyais que tu allais dire sac à main. Je suis là, il y a un petit truc qui ne va pas. Non, je voulais que mon sac à dos ait toutes les caractéristiques que je recherchais, donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à rechercher le sac à dos, tu vois. C'est bien, tu as du temps. J'ai fait ça pendant que j'étais en convalescence. Ah ouais, tu as plutôt intérêt à spécifier le contexte parce que sinon on prend peur. Hein. Ouais. Okay. Et du coup, je suis tombé sur pas mal de sites, pas mal de vidéos de survivalistes. C'est quoi les survivalistes ? Donc, c'est des individus, c'est presque un mouvement. Ouais. Alors, souvent, c'est des individus isolés. Nord-américains. On retrouve beaucoup de leurs caractéristiques. Ouais. Nord-américains ou pas, mais qui se préparent à une catastrophe, que ce soit une catastrophe économique, que ce soit une catastrophe écologique, naturelle ou nucléaire, bref, tout ce qui pourrait mener à une espèce d'apocalypse, à la fin d'une ère, en fait, telle qu'on la connaît, et à une révolution, à un renversement. Ouais. Et les survivalistes, en fait, ils se préparent à vivre et à survivre après ce bouleversement, soit bouleversement... sociétal, soit cataclysmique. Ouais. Alors, c'est aussi populaire dans le... Il y a des films qui sont des survival. Ouais. Peut-être un des plus célèbres récents, c'est The Revenant, justement. Oui. Il faut qu'on fasse un épisode sur The Revenant. Et ben voilà, c'est bon. On cherchait des épisodes dans là. Est-ce que tu l'as vu ? Tu l'as déjà vu ? Oui, je l'ai vu au cinéma. Ouais. Mais les survival, c'est ces films. L'ours, en fait. Ah ouais. Et puis après l'ours, j'ai eu un trou noir dans tout le film. J'étais choqué. On parlera de l'ours. Ouais. Mais c'est ce genre de film où en fait, on suit un héros qui cherche à survivre. Ouais. Et récemment, j'ai vu un film avec Alex et je me rappelle plus du titre, mais c'est l'histoire vraie d'un mec qui a survécu seul dans la jungle pendant 3 semaines. C'est assez hallucinant. Ah, j'ai entendu parler de cette histoire. J'ai pas vu le film, mais l'histoire me dit quelque chose. Un gars qui s'est perdu dans le film. Le film est super bien. En Asie ? Alors, c'était en Amérique du Sud. Ah oui, peut-être Amérique du Sud. Et c'était, oui, une sorte de tourisme. En fait, c'était avec des potes. Et puis, il y a un gars qui leur a dit je vais vous faire voir des trucs de fou que personne ne connaît. Ils l'ont suivi. Ils sont séparés. Le mec, il a perdu son pote. Bref, il s'est retrouvé tout seul dans la jungle pendant 3 semaines, truc de fou. Ouais. Il a survécu. Enfin, c'est une histoire. Il y a plein d'histoires. Soit des mecs qui ont survécu à des avalanches, soit des mecs qui ont. Ouais. Bref, c'est souvent l'histoire de mecs tout seuls qui se battent pour survivre dans un milieu hostile. Ouais. Et c'est un peu aussi le délire de Bear Grylls. Seul au monde. Seul au monde. Ouais. Exactement. Le fléau de Stephen King aussi, où ils survivent. Après une épée. Alors, la grande différence entre les films survival et les survivalistes ou le survivalisme, c'est que tous les survival, c'est des mecs qui ne sont pas préparés forcément à survivre et qui se retrouvent catapultés, tu vois, dans une espèce de situation invraisemblable. Alors que les survivalistes, justement, leur but, c'est de se préparer, en fait. Ouais. C'est d'ailleurs.
aux États-Unis, ils s'appellent les preppers. Ouais. Les préparationnistes les ou. Les préparationneurs. Ouais. Les ceux qui se préparent, ouais, quoi. Les préparatifs. Et en fait, voilà, bref, il y a ce truc de. J'aime beaucoup les survival dans les films. Il y avait cette histoire de sac à dos. Et puis, récemment, sur Netflix, j'ai vu apparaître une nouvelle émission qui s'appelle en français. Alors, justement, en anglais, ça s'appelle Preppers. Et en français, qui s'appelle Famille Apocalypse. D'accord. Et c'est. En fait, c'était un truc pour la télé. Et c'est des mecs qui suivent des preppers aux États-Unis. En tout cas, ceux que j'ai vus, ils étaient aux États-Unis. Dans leur manière de se préparer, justement. Ouais, alors, il y a plusieurs. J'ai vu les deux premiers épisodes. Ah, je me suis alors, régalé. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, mais ils vendent du rêve, les mecs. Ah, mais c'est complètement fou, hein. Ah ouais, non, mais ils vont tellement loin. C'est... Ouais. Non, c'est mais on voit que. Alors, les préoccupations, elles reviennent souvent. C'est toujours les mêmes schémas ou les mêmes histoires. C'est la peur d'un EMD, je crois que ça s'appelle. Ah oui, une éruption solaire. Non, EMP. Ouais, un truc électromagnétique, pulse ou je sais pas quoi. Impulsion électromagnétique, IEM en français. Une impulsion électromagnétique qui détruit tous les systèmes électriques. Quoi. Électrique, ouais. Il y a ça, il y a aussi l'inflation économique. Ouais, l'autre c'est changement de pôle. Ouais, changement de pôle. Enfin, pas pôle, tu vois, déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais le changement de pôle, tout court. Ouais, ouais. Le sud et nord, tout ça, quoi. Voilà. Un truc d'ailleurs qui était réapparu en 2012 avec toute cette histoire de Maya, d'alignement des planètes, et il y avait une histoire d'inversion des pôles à ce moment-là. Ah, ouais. Et donc, ce qu'on retrouve, c'est que les mecs, bon, ils ont peur soit d'un truc, soit d'un autre, et ils se préparent à chaque fois dans des milieux différents à survivre. Mmh. Alors, peut-être on peut dire à chaque fois la manière dont ils se préparent ou ce qui revient le plus souvent. Qu'est-ce que tu as identifié, toi? Ouais, alors. Bon, je trouve ça. Alors, ce qui revient souvent, moi, je trouve, c'est d'un côté une vision chez eux qui est pessimiste, mais ouais, néanmoins réaliste si tu pousses le raisonnement. C'est-à-dire que tu n'as pas affaire à des illuminés qui vont craindre. Alors, peut-être, probablement, tu en as qui se préparent à une attaque extraterrestre ou aux reptiliens qui vont enfin sortir et voilà. Mais les enjeux qu'ils envisagent, tu vois, typiquement, il y en a qui vivent dans des zones du monde où il y a des catastrophes naturelles. Il y en a pour oui, qui par exemple, le survivalisme, ils s'y préparent, d'autres, ils vivent dedans et ils connaissent ça que depuis des générations et des générations, tu vois. Donc, ouais, c'est une réalité. Si tu veux, voilà, c'est pessimiste. Mais c'est néanmoins tout à fait possible. Des phénomènes physiques, un problème géopolitique, une guerre, une bombe atomique, etc. C'est des choses qui sont ancrées et qui font partie du champ des possibles. Donc ça, je trouve que ils ont. Si tu en as certains qui vivent, justement, qui ne sont pas assez memento mori dans leur façon de vivre, eux, ils le sont peut-être trop, tu vois. Et ouais, en alors, mode, il n'y a que ça. Tu vois, et tu ne vis que pour ça. On va y venir. Ouais. On va y venir. Là, tu es déjà dans la vision et tout. Ouais. Ma question, c'était plutôt comment ils se préparent. Ah qu'est-ce oui, qui bah, revient alors, dans les schémas de leur préparation. Ah oui. Bah, alors, ce qui se prépare, alors, c'est génial. Parce que, en gros, l'idée, comme tu disais, c'est d'être autonome et de pouvoir soit évacuer l'endroit, soit en gros faire un campement de survie qui te permette de survivre pendant des années pour toi et tes proches. Et donc, c'est des gens qui. Par exemple, si on fait référence à la série Netflix, le premier épisode, alors j'ai vu que les deux premiers, moi, mais j'ai trouvé ça génial. Le premier, où c'est des gens qui ont un immense terrain découvert pour voir venir de loin ceux qui pourraient s'approcher de chez eux. Et ils ont créé avec des conteneurs à la base de bateaux qui sont en acier hyper résistant, qui résistent aux balles. En fait, ils sont construits. Quand tu regardes la forme, c'est comme un mini château fort avec une cour intérieure. Et en fait avec une autonomie totale en eau potable, en énergie, avec tout plein de systèmes, avec tout
un système aussi d'évacuation d'urgence s'ils devaient être appelés à partir avec des camions remplis de provisions, avec des caches d'armes et de nourriture sur la route pour aller jusqu'à un endroit secret de repli. Voilà, ils s'entraînent au tir, ils accumulent de la nourriture chaque jour pour pouvoir survivre. Alors eux, je ne sais plus combien de personnes, pendant 15 ans je crois qu'ils pouvaient survivre. À 20 personnes, je crois. À 20 personnes, ouais, un truc phénoménal, quoi. Et voilà, en gros, des gens qui ne vivent que pour préparer chaque jour le jour où tout va partir en live. Et tu sens quand même, malgré tout, qu'il y a une excitation un peu malsaine. Tu sens qu'ils seraient presque déçus si ça n'arrivait pas, quoi. Parce que finalement, si ça n'arrive pas, ils auront passé toute leur vie à préparer un truc. Tu vois, ils se priver plein de choses. C'est vraiment un lifestyle. Tu vois, ils aiment oui, ça. Oui, non, voilà. Et justement, je ne sais pas si vraiment il y a cette... Il y aurait cette déception ou même, tu vois, il y a cette déception par anticipation. Je crois qu'en fait, ce qui les fait kiffer, c'est de se préparer. Tu vois ? Oui. Ce ne serait pas forcément d'être prêt, mais c'est de se préparer. Beaucoup fantasmes. Enfin, là, pour tout coup, c'est des Américains. Tu les vois, ce qu'on s'était dit en discutant de ça, ils sont tous en surpoids plus. Et obèses, et t'as l'impression qu'ils vont être tués par le diabète et qu'il ferait mieux de survivre à lutter contre le diabète que contre une inversion d'épaule, tu vois. T'as envie de dire, c'est mec, y a un truc qui est encore plus probable, c'est que tu vas mourir d'un arrêt cardiaque tellement t'es obèse dans pas longtemps. Et d'ailleurs, je crois que c'est le deuxième épisode, est-ce que tu l'as vu ? C'est une femme qui fait des cours sur comment faire des repas de survie, ouais. Mais pour kiffer. Donc ces gens, la meuf, il y en a qui stockent des... Ah oui, des rations militaires et tout. Hédoniste, quoi. C'est... Ah oui, mais elle se fait genre des confits, oui, des magrets oui, et tout. Oui, dans le deuxième, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, et elle dit, mais ouais. Moi, je vais kiffer. Il y en a, ils vont bouffer... du riz toute leur vie. Mais moi, je vais kiffer tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Oh là là. Ouais. Mais, ça revient, la défense aussi. Alors oui. L'armement, et ouais. D'ailleurs... Ceux qui n'ont pas assez d'armes, ceux qui n'ont pas assez de munitions, etc. Ouais. Le premier truc, parce qu'à la fin de chaque épisode, tu as une équipe d'experts, entre guillemets. Ouais. Alors, tu demandes qui sont ces experts. Tu demandes quand tu Exactement. Es plus expert qu'eux-mêmes, tu vois. Et qui leur disent, mais en fait, vous n'avez pas assez d'armes ou est-ce que vous avez réfléchi à la possibilité de vous défendre. Ça revient aussi à chaque fois, quoi. Ouais. Donc, tu as la nourriture. T'as l'eau, bien sûr, la sécurité et aussi le fait de pouvoir partir facilement, de ouais. s'extraire facilement. Ouais. Et tu faisais bien de le remarquer tout à l'heure, ils sont pessimistes, réalistes. Et c'est marrant, il y a une tension qui existe parce qu'aussi à chaque fin d'épisode, il y a des experts, entre guillemets, qui donne la probabilité pour que tel ou tel événement que ces survivalistes craignent arrive. Et à chaque fois, les scientifiques disent « En fait, ça n'arrivera pas. Ouais. » En fait, tu as une vision ultra optimiste de la part de la télé qui décrédibilise et qui est même un peu condescendante, je trouve, à l'égard des mecs qui se préparent. Mais en fait, les survivalistes passent toute l'émission à dire « Ça va péter, préparez-vous. Nous, on se prépare, vous ne serez pas prêts. Vous allez vous faire dézinguer. Ouais. » Et à la fin, tu as le truc qui se désamorce un peu et qui dit « Mais de toute façon, ça n'arrivera jamais. » C'est ça. Et du coup, si on doit analyser maintenant de manière plus générale, peut-être pas encore en abordant la vision biblique du monde et le rapport même à l'eschatologie, parce que le survivalisme pose des questions très intéressantes par rapport au thème de Memento Mori. Mais si on parle des valeurs, qu'est-ce qui fait que ça fait écho avec nous ? Qu'est-ce que tu listerais, toi, comme force et comme faiblesse de ce mouvement ? Alors, comme ça, je te dirais que je vais commencer par les faiblesses. Je dirais que dans les faiblesses, je dirais que leur vision de la survie est extrêmement matérialiste. Leur salut est dans le matos, en gros. Or, tu vois, je trouve justement que les peuples qui vivent les peuples survivalistes, quand tu vis dans des zones asséchées ou des trucs comme ça, c'est des gens qui arrivent
survivre en composant avec leur environnement et qui sont finalement beaucoup plus simples que ces gens-là. Et je me demande si face à la réalité, tout ce qu'ils ont comme matos, ils arriveraient à les gérer. Et tu vois, cette idée que... Et ça, c'est très, très occidental. C'est que notre salut est dans la technique, dans la technologie, et pas dans l'adaptation, et etc. Donc, il y a ça que je trouve un peu comme faiblesse. D'autant plus quand tu vois qu'effectivement, ce sont des gens... Alors, peut-être qu'ils ont choisi exprès des gars spécialement en surpoids, et etc., etc. Mais tu vois qu'il y a un peu une contradiction interne dans leur façon de vivre qui est quand même assez criante. Comme autre faiblesse... je dirais aussi que finalement, dans leur façon de faire, c'est jamais assez. C'est-à-dire que tu peux survivre, mais jusqu'à un certain point, et ils sont que face à l'échec, où ils peuvent que aller plus loin, plus loin, plus loin, parce que si tu pousses tous les trucs, si tu as une guerre atomique et tu as une bombe qui pète à 1 km de chez toi, tu auras beau avoir fait le plus gros bunker de la Terre, tu es mort, tu vois. Ouais. S'il y a, tu vois, tu peux pas te parer à toutes les éventualités, et je me dis, ils doivent vivre quand même. Ceux qui sont convaincus de ça dans une espèce de forme de paranoïa et de crainte constante qui doit être quand même assez pénible pour ceux qui vivent vraiment le truc. Après, bon, il y en aura encore probablement plein d'autres. Dans les côtés positifs, ce que je vois, c'est qu'il y a paradoxalement, ça va être un peu paradoxal avec ce que je vais dire, mais c'est un retour à l'essentiel quand même qui se trouve où c'est des gens qui veulent se concentrer et ne pas vivre comme si on était dans un monde où il y avait que de l'abondance et que tout se passe bien, qu'il n'y a jamais de problème. Et c'est des gens qui veulent s'assurer avant tout de ce qui est essentiel. Et il y a un côté de toujours avec, notamment, tu veux, de pas gaspiller. Il y a un côté écolo, tu vois, peut-être dans leur survivalisme, qui est intéressant de relation à la Terre et tout ça, tu vois, de prendre soin de ton environnement, d'être capable de ne pas détruire ton environnement pour survivre, alors que nous, on vit dans un environnement, on s'en fout de le détruire parce qu'on peut survivre au travers d'autres choses. Voilà, il y a ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un côté, je pense, qui fait écho en moi, que j'aime bien et que je vivais quand j'étais à l'armée. C'est le côté aussi en même temps survie, où t'es pas, où la vie est une aventure, tu vois, où tu sens que tu es potentiellement en danger, tu sais pas si demain tu auras assez, et que ça dépend un petit peu d'aujourd'hui, ça t'aide à te rendre vivant, tu vois. Et c'est le côté un petit peu aventure que tu retrouves, qui est inscrit en nous, je pense. Et je pense que c'est des gens qui ont envie de ça. Voilà, dit comme ça, à la volée, voilà un peu ce que je vois. Toi, dis-moi. Écoute, moi, les principales faiblesses que je dirais, c'est le retrait, un grand retrait, un grand séparatisme. Alors ça, ouais. Qui fait que ouais. Pour éviter, aussi, en fait, ouais. pour éviter le danger vient des autres. C'est ça. C'est un des premiers trucs qu'il dit, c'est quand ça va être le bazar, ouais. Ça va être les gens, ils vont venir vers toi. Ça va être l'anarchie. Parce que. Et ce qui est marrant, c'est que c'est paradoxal parce que eux, plus ils se préparent et plus c'est des cibles. C'est ça. Et plus c'est des cibles parce que c'est eux qui auront de la bouffe, c'est eux qui auront de l'eau, c'est surtout eux qui après auront. Passer à la télé, tu vois. Et donc, il y a une posture de retrait, de séparatisme qui font que le premier truc dont ils s'assurent, c'est soit d'être entièrement barricadé, soit d'être le plus loin possible et de se barrer le plus vite possible. Ouais, de vivre en dehors du monde, quoi. Voilà, et donc... Et ils seront hyper ça agressifs. Mène à ouais. Et tu sens un désir de shooter le premier qui se pointe près de ma maison isolée, presque il l'abat sans sommation, quoi. Tu sens qu'il y a une agressivité, parce qu'ils savent que l'homme peut être agressif en cas de vrai besoin, quoi, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on devine que certaines familles sont chrétiennes, surtout celles qui refusent de s'armer, mais dans l'épisode 3, il y a un couple qui se présente comme chrétien, et j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera de la vision biblique du monde, qui, eux, c'est les plus armés. C'est un truc de malade. Ils ont 1 milliard de fusils, ils ont 1 milliard de pistolets, ils ont chacun un pistolet. Ils se préparent à Armageddon, ils disent. C'est ça qu'ils craignent, quoi. C'est ce qu'on va vivre, c'est Armageddon. Ah ouais, mais on va voir qu'ils peuvent se préparer avec tous les fusils qu'ils veulent, mais... et eux, c'est...
paradoxalement les plus armés. Et cette posture de retrait, pour moi, et de séparatisme, elle mène à une des plus grandes faiblesses, c'est la question de l'égoïsme. En fait, ils pensent la survie en dehors de la société. Et la société pourrait s'effondrer, moi, je vais survivre. Et en fait, c'est vraiment une posture ultra égoïste. Ouais, ouais. Alors, il y a un ou deux exemples. Ils se moquent aussi des gens. Ils disent, vous nous prenez pour des fous, mais c'est nous. Et celui qui viendra me demander de l'aide, il aura affaire à mon flingue ou un truc comme ça. Il me semblait dans le premier épisode ou le deuxième, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Et ils s'entraînent à tirer, etc. Mm. Mais alors, il y en a justement, il y a une famille où eux, ils n'ont pas d'armes, c'est ouvert et tout. Ils disent, s'il y a des gens qui viennent, on essaiera de les amadouer avec du maïs en leur filant de la confiture, tu vois. Et tous les mecs, les experts leur disent, non, mais il vous faut des flingues pour pouvoir vous défendre. mais il y a ce truc où dire, si la société tombe, moi, je ne tomberai pas. Mm. Et ils ne sont pas en train d'œuvrer pour le bien commun en disant si ça part en vrille, il faudrait qu'on réfléchisse à comment ensemble on peut survivre, œuvrer pour le bien, tu vois, de la cité. Mm. Mais vraiment, ils œuvrent que pour leur poire, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment la principale faiblesse que je vois. Ouais. Moi, je vois une autre. Je trouve qu'il y a un truc qui est subtil quand tu regardes quand même. C'est que, quelque part, le survivalisme. Quand tu regardes ceux qui vivent de ça, j'ai l'impression que c'est quand même simplement une nouvelle forme aussi de matérialisme. Tu vois, ils vont critiquer ceux qui vont amasser et avoir un certain mode de vie, tu vois, très matérialiste, mais au final, eux, ils le sont pour d'autres choses, tu vois. Parce que le matérialisme, fondamentalement, c'est quoi ? C'est que tu cherches dans tout ce que tu possèdes la sécurité, le bien-être, l'épanouissement, la valeur, etc. Et eux, en fait, c'est une autre forme, mais c'en est une tout de même. Tu vois, et encore, je trouve, j'ai l'impression, tu vois, c'est un peu, on joue à se faire peur par rapport à ceux qui vivent dans des vrais contextes. Tu vois, si je voulais être cohérent, je dirais, mais écoute, va vivre, tu veux te préparer au survivalisme, va vivre en ce moment en Syrie ou va vivre dans une île, un endroit où il y a un tsunami et qu'il n'y a plus rien, et vis là-bas pendant 2 ans, tu apprendras plus sur le survivalisme que dans ta ferme américaine sur tes tutoriels YouTube et à tirer dans tous les coins, tu vois. Il y a ce côté-là un peu qui est irréel, quoi. Ouais. Voilà. Au rang des forces, une des choses qui m'attire dans le survivalisme, c'est le rapport à la débrouille et au fait qu'ils apprennent des compétences ou alors qu'ils sont obligés de les mettre en œuvre, tu vois. C'est des mecs qui savent construire des choses, c'est des mecs qui se débrouillent pour transformer ça en ça, c'est des mecs qui cultivent la terre, c'est des mecs qui recyclent l'eau, mecs qui arrivent à produire de l'énergie à trouver des moyens de communication. Ouais. Et ça nous fait kiffer. Et ça nous fait kiffer. Ouais. Et ça nous place dans notre dépendance totale en fait au système. Mm. Et eux, ils veulent vivre une indépendance totale. Mm. Alors nous, on dit c'est un peu extrême, mais en creux, ça montre que nous, franchement, je me demandais s'il y a un délire comme ça qui arrive, ou même s'il y a la guerre ou je sais pas quoi, comment on fait pour survivre, nous, dans notre contexte. Ouais. Alors, probablement que les événements et le contexte fait que tu t'attaques beaucoup plus vite que ce que tu penses, tu vois. Mais en tout cas, ça pose la question de, finalement, quand on regarde, on est dépendant de tout, tu vois. Même pour la nourriture, etc. Ouais. On a tout délégué et on compte seulement, justement, sur notre argent. Et ça pose la question dans le cas où il parle d'inflation par exemple, si t'as plus accès aux biens et au commerce, toi, comment tu te débrouilles, quoi. Donc développement des compétences. Et aussi je voulais souligner ce côté aventure un peu dont t'as déjà parlé. Ça c'est assez cool quand même. Grylls, quoi. Non, ça c'est super cool. Tu sais qu'il existe des séjours que tu peux faire en France avec un guide, genre tu pars dans les bois avec un sac à dos de survie, t'as juste une couverture, un couteau, de l'eau,
et de quoi lancer du feu, et tu survis pendant genre 3 jours, et le mec il te montre toutes les techniques pour créer une tente, lancer un feu, chasser, pêcher et tout ça, et je me dis, mais ça, c'est le genre de délire, j'aimerais trop pouvoir me le faire, quoi. Je trouve que c'est le côté aventure, ça je reconnais que c'est vraiment tip-top, quoi. La question qui nous intéresse, bon, c'est sympa, ces trucs-là, tu vois. Mais la question par rapport à Memento Mori, la question finalement qu'on doit se poser, puisque ça fait il y a un écho particulier quand même, même dans le titre, Famille Apocalypse. Et c'est marrant que, et même, tu sais que j'ai étudié la figure de la vague dans le cinéma post-apocalyptique. Oui. La France Mais le sait. la France le sait. Mais tu vois, dans le vocabulaire, l'apocalypse égale la fin du monde. Oui, Et alors que la... chez eux, l'apocalypse, c'est juste un gros problème et on va survivre. Exactement. Mais si on replace ça justement dans la vision biblique du monde, et si on prend une visée biblique apocalyptique, alors quelle lecture on pourrait faire du survivalisme? Et la question que j'aimerais te poser et nous poser, Ouais, nous poser. c'est est-ce que les chrétiens, parce qu'il y a une espèce de survivalisme spirituel, il me semble, qui est à l'œuvre depuis un siècle, on va dire, en tout cas un très gros demi-siècle, surtout avec les mouvements millénaristes. Dispensationaliste, ouais. Mais tu vois, est-ce que les chrétiens doivent se préparer à la fin du monde? Ça, c'est la première question. Et la question qui va avec, on en discute, c'est comment les chrétiens doivent se préparer à la fin du monde? Et je te pose cette question. Ce qui est intéressant, c'est que dans un des épisodes, justement, le couple qui se définit comme étant chrétien né de nouveau, les born again Christians, en gros les Les évangéliques, vrais, quoi. les vrais quoi, deux fois chrétiens, qui Voilà. sont chrétiens nés de nouveau, eux ils disent on croit que il y a une vie après cette vie, mais on sait que dans cette vie on doit se préparer. Et c'est hallucinant, et c'est là où il y a une première perversion par rapport à la vision biblique du monde, c'est que tu vois dans cet épisode, il y a un pasteur qui vient. Ils appellent un pasteur, et le mec, il prie avec eux dans leur bunker en leur demandant de... Tu vois, il demande à Dieu de bénir le bunker, blablabla. Et il dit, on sait qu'en cas où ça tourne mal, on aura un endroit où se réfugier. Et là, j'ai dit, c'est la perversion extrême, quoi. C'est-à-dire qu'il est en train de faire une prière au Dieu matérialiste. C'est ça. C'est plus Dieu qui devient le rocher et le refuge, mais c'est le bunker, tu vois. Et bon, là, je suis un peu déjà trop loin, mais j'aimerais bien te laisser répondre à la question. Est-ce que les chrétiens doivent se préparer à la fin du monde? De toute évidence, oui, parce que Christ l'a ordonné, et que contrairement à des survivalistes athées qui ont des différentes hypothèses sur ce que pourrait être une fin du monde et cherchent le salut dans la technique et dans le matériel et dans la compétence, nous on a une vraie certitude. C'est celle du jugement dernier, du retour de Christ. Alors quand on est un millénariste comme moi, c'est encore plus simple, mais on a cette certitude-là que Christ va revenir, mais on a aussi la certitude que toute la technique, tout le matériel, toutes les sciences humaines ne pourront pas nous préparer à ce qui va précéder ce retour-là. Où Christ est vraiment clair que de placer son salut dans ces choses-là, c'est illusoire, dans le sens où, oh, je ne sais pas si tu entends, mais il y a la pluie sur mon Velux. Oh, ça s'entend très très Ça fort, s'entend très très fort. Ça se ouais. trouve, c'est le début de la fin. Ouais. Ça se trouve, il faudrait que tu partes. Ça se trouve, il faudrait que je parte. Ouais, bon, alors on va vite finir. Ouais, donc je disais, alors.
Oh là là, mais c'est infernal. On va voir ce que ça donne. Mais quelle idée d'avoir un Velux aussi. Quelle idée d'avoir un Velux, tout à fait. On se demande bien pourquoi. Je m'excuse. Mais si à l'enlèvement, tu pourras passer par le Velux. Un instant, ne bouge pas, je ferme le Velux. Vas-y. Ça évitera aussi que je sois trempé. On continue toujours à enregistrer. Bien sûr. Et puis en attendant, c'est bon, n'hésitez fermé. Pas à mettre 5 étoiles sur iTunes. Voilà. Alors, du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, on sait qu'il y aura l'apocalypse, ouais, on sait qu'il y aura la fin du monde arrivera. On a une certitude, mais elle n'est pas. Elle est justement la vue pour nous. Il y a attaché à cette fin du monde, il y a une espérance. Et une espérance qui est vivante. Et je pense que la préparation que l'on doit avoir et que celle que Christ nous demande avant tout, c'est de nous préparer justement à... Tu vois, Jésus disait, c'est dans Matthieu, je ne me souviens plus de la référence, où il dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps ou vous faire périr, ouais. Mais craignez plutôt Dieu qui peut vous jeter dans la géhenne. » Et en fait, ouais. Notre vie, elle doit être une préparation à la rencontre avec Dieu, et on n'est pas appelé à vivre en dehors du monde au cas où il y ait le pire, mais à vivre dans un monde qu'on sait qui est plus abîmé que certains ne le pensent, qui est impacté par le péché dans toutes ses sphères. Et nous, notre rôle n'est pas de nous préparer pour survivre, nous, égoïstement, mais de hâter la revenue de Christ, notamment en annonçant l'évangile à toute personne sur terre. Et de toute façon, je veux dire, si tu es vraiment cohérent, tu sais que c'est l'orgueil de l'homme qui pense qu'il peut se préparer et éviter la fin du monde, et c'est absolument faux. S'il y a une fin du monde qui doit venir, aucune âme n'y échappera, et ces personnes-là, elles se préparent contre tout, mais si elles se chopent la grippe et qu'elles n'ont pas de vaccin, elles meurent, quoi. Tu vois, c'est ouais. Toujours pareil, c'est une illusion, c'est se cacher derrière un espoir totalement illusoire de pouvoir s'en sortir. Absolument, et je dirais les survivalistes vont mourir. Ouais. Tu vois, quand bien même il y a une inflation, quand bien même il y a je sais pas quoi, et que tu arrives à te terrer dans ton truc, exactement. Tu vas mourir à la fin quand même. Exactement. Et il y a plus à craindre du jugement de Dieu et de la destinée éternelle que d'un dérèglement de la terre ou d'une apocalypse comme eux l'entendent. Et comme je disais tout à l'heure, à moitié en plaisantant, quand on voit la fin du monde telle qu'elle est annoncée dans la Bible, aucune préparation ne pourra soustraire personne au jugement de Dieu. Et la Bible nous demande, voilà, de nous préparer. On ne peut pas rester indifférent. L'indifférence, elle mène à l'idolâtrie, à la débauche. Ouais. On fait ce qu'on veut, quoi. Si, s'il n'y a pas de fin du monde, on fait ce qu'on veut. C'était un peu l'argument des faux docteurs dans De Pierre. Avec ce, oui, il parlait de scepticisme eschatologique, tu sais, mais il disait où est la promesse de son avènement. Il rappelle Noé. Exactement. Et il disait, mais vous inquiétez pas, hein, son jugement n'est pas en sommeil, ouais. Et il ne dort pas. Ouais. Et de la même manière, et puis tu as ces exemples, de la même manière qu'il a détruit le monde d'alors, alors, machin, de la même manière qu'il a détruit Sodome et Gomorre, ouais. Alors, et puis il garde les justes. Ouais. Et en fait, comme tu l'as dit, le seul refuge et le plus sûr des refuges, c'est la croix. Ouais. Il n'y a que la croix qui peut nous faire traverser, sain et sauf, le jugement divin. Et la seule manière de se préparer, c'est justement à la lumière du jugement de Dieu et sous la croix. Ouais. Et en fait, on ne peut pas vraiment séparer le est-ce que les chrétiens doivent se préparer et comment les chrétiens doivent se préparer, parce que c'est lié. Ouais. Et c'est en ce sens que j'ai beaucoup aimé l'intervention aussi d'Henri Blocher à Évangile 21. Oui. On s'est regardé, on s'est fait un clin d'œil. Ouais, ouais, c'était super Memento Mori, je l'ai déjà dit dans une petite vidéo. Ouais. Mais c'était super. Et on voit, et c'est aussi un texte que je vais partager samedi soir au groupe de jeunes. Là, j'ai travaillé dessus, sur Romains 13. Je sais pas si tu t'en souviens. Moi, avant de le relire, j'avais un peu oublié ces quelques versets. Romains 13, tu sais, t'as la première section qui parle de
du chrétien et de l'État qui doit respecter les autorités, qui doit pas les craindre, etc. Ensuite, qui doit rendre à César ce qui est à César, etc. À Dieu ce qui est à Dieu. Et ensuite, il dit, vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car l'amour est l'accomplissement de la loi. Il développe un peu. Et après, d'autant plus que vous savez que l'heure est proche ou que le jour arrive. Ouais. Et ensuite, c'est une exhortation à la sainteté parce que le monde sera bientôt jugé et que Christ reviendra. Ouais. Et on a ces deux éléments qui reviennent toujours dans l'éthique eschatologique. C'est la sainteté de marcher comme des enfants de lumière. Et ça va avec le deuxième point qui est le témoignage et l'annonce de l'évangile. C'est ça. Et en fait, c'est peut-être le plus terrible, et surtout pour les chrétiens, dans ces épisodes-là de Famille Apocalypse, c'est que le temps et l'énergie que ces familles chrétiennes, encore plus, passent à se préparer à la fin du monde, c'est d'autant plus égoïste qu'ils savent que si la fin du monde arrive bientôt, beaucoup de nos contemporains et de nos voisins ne connaissent pas le message de l'évangile et périront. C'est ça. Et préférer sa propre survie matérielle, tu vois, à la survie spirituelle, au salut des âmes de ceux qui nous entourent, c'est terrible, tu vois, dans la perspective eschatologique. Et c'est anti, c'est exactement l'inverse que ce que a fait Jésus, quoi, qui lui a quitté son ciel de gloire, le confort ultime de la vie éternelle et de qui il est, d'être en communion, la communion de la Trinité, pour venir se dépouiller, pour venir juste au milieu de nous, pour dire mais attention, vous voulez me suivre, les renards ils ont une tanière, moi j'ai même pas un endroit pour poser ma tête, et pour enfin s'offrir en sacrifice pour les autres, alors qu'eux ils se renferment sur eux-mêmes et ils disent si les autres s'approchent on les sacrifiera, et peut-être qu'on les mangera même, et en fait ta vision de la fin du monde montre ce que t'as dans le cœur. Et effectivement, ce que tu dis, moi j'ai pas vu l'épisode avec les chrétiens, mais c'est une condamnation terrible qui montre qu'il y a beaucoup de choses en tout cas qu'ils n'ont pas compris, et qu'au contraire notre vision de la fin du monde doit être non pas un moteur pour s'enfermer sur nous-mêmes, mais au contraire pour aller vers les autres et faire que la bonne nouvelle soit annoncée au plus grand nombre. Parce que ce que ça manifeste, c'est que c'est des gens qui vivent dans la peur, et c'est des gens qui vivent pas dans la confiance de Dieu, c'est des gens qui vivent dans la peur de ce qui peut arriver. Et ça, c'est tout sauf un acte de foi, quoi. Ouais, et d'ailleurs, un des moments les plus émouvants et les plus étonnants, c'est que le seul qui est ému de tous les épisodes que j'ai vus pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup non plus, mais c'est ce chrétien-là qui a les larmes aux yeux quand il est en train de dire qu'il doit se préparer, tu vois. Et c'est dire qu'il met sa confiance et qu'il est même pas sûr presque de l'issue de ce dont il parle, tu vois. Peut-être qu'il a pris littéralement le fait que Dieu est son rocher, donc il s'est dit je vais me construire un bunker, ça fait un gros rocher autour de moi et puis c'est Dieu. C'est ça, ouais. Mais il a oublié aussi que c'est le rocher qui donne de l'eau et du coup il achète quand même beaucoup d'eau. Ah oui, mince. Ouais. Mais tu vois, même quand on parle d'Apocalypse, ce qui est frappant dans l'Apocalypse, c'est d'une part l'inévitabilité du jugement de Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu va venir juger, il n'y a rien ni personne qui pourra échapper à ça, mais qu'en attendant, même dans la persécution, même dans l'affliction, les chrétiens sont appelés à veiller à leur témoignage dans leur manière de vivre et dans leur manière de partager l'évangile. Et c'est vraiment deux idées super fortes. Et d'ailleurs, ce qui empêche Dieu de déverser sa colère sur les méchants, c'est que le nombre de témoins n'est pas encore atteint. Et donc, c'est super important. La notion de témoignage dans l'Apocalypse est super importante. Ouais. L'Évangile n'est pas encore prêché à toutes les nations, quoi. Absolument. Yes. Bon, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Écoute, je pense qu'on peut, s'arrêter là. Ouais, on peut aller aiguiser sa hache. Voilà. Mais tu sais que ça donne... Mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même... Il y a un côté attirant où tu as l'impression que c'est la vie, tu sais, avant les révolutions industrielles, tu sais, où tu te chauffais au bois, tu t'éclairais à la bougie et tu comptais sur ton potager. Il y a un côté cool, tu sais, de l'humain en lien vraiment avec la terre,
tu vois, où la seule ressource et le seul moyen d'interagir avec le monde, c'est pas les billets, l'argent, mais c'est aussi ce que tu sais faire de tes mains, c'est construire, réparer, tout ça. Et moi, il y a un truc qui me plaît quand même là-dedans que j'aime bien. Ouais, c'est ça, les mecs, ils apprennent à vivre comme avant l'électricité, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais même tout dans la civilisation n'est pas mauvais. Oui. Notamment iTunes. Ah bon? Il paraît que si vous mettez 5 étoiles, vous augmentez vos chances de survie. Ah ouais? Oui, en cas d'attaque nucléaire, votre laptop continue à fonctionner. Ouais, parce qu'on a 3 vies, on a 3 cœurs, tu sais, en haut de l'écran, et si tu perds un cœur, t'as un cœur bonus. Voilà. Mm. Donc n'hésitez pas, et puis on se retrouve la semaine prochaine, on parlera d'un sujet encore secret, on peut pas le dire. Oui, parce qu'on ne sait pas si on sera encore vivant. Exactement, on ne sait pas ce qui va arriver. Tu feras demain, ce que tu commerceras. Exactement. Bon Raph, je te dis à bientôt. À bientôt Matt, à bientôt tout le monde. Bonne semaine. Ciao, ciao. Salut.